s'appelle Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date du samedi 30 avril 2016. Nous venons d'assister à un programme ici dans une église. Tout ça c'était vraiment merveilleux. Et maintenant là, nous préparons ce soir pour une grande rencontre avec toute la diaspora. Ce soir avec toute la diaspora, c'est à partir de 20h. Je vais 20h heure de l'Europe et jusqu'à l'heure que le Saint-Esprit aura fixé. Maintenant, merci parce que l'accueil était vraiment parfait. Ce qui est intéressant, c'est que nous couvrons que c'est ici même l'Europe. Nous sommes encore en hiver. Voilà, nous sommes encore en hiver ici. Nous, là, nous les Noirs, on est un dans la rue. Quand tu regardes, tu vois tous les gars sont les Blancs. Et puis ici, c'est la discipline. On ne jette pas l'omlugi, chassé, des awagi. Non. Ce que tu fais, il y a prison dedans. Hein, tu mets en prison. Donc ici, là, ils sont très bien disciplinés. Chacun est policier de son camarade. Ici, c'est la discipline. Voilà, vous êtes seul dans vos coins, c'est comme ça. Voilà, donc c'est pour dire, apprenez, nous devons apprendre. Ce que nous avons appris ici, là, nous allons vous partager ça. La Côte d'Ivoire, l'Afrique peut se relever, mais vraiment, c'est une question d'éducation. Voilà, c'est pour dire, je confirme encore depuis le Danemark, la veillée du 6. Le 6 mai, c'est le vendredi prochain. J'invite tout le monde à cette grande rencontre. De grandes rencontres de pointe, ça serait une tempête de miracles. Je prie que tous ceux qui sont dans le domaine musical, les musiciens, les artistes musiciens, vous savez, à chaque époque, je dis toujours, Dieu donne une onction à quelqu'un pour régler un problème bien spécifique. C'est pour ça qu'ils allaient aller dans un hôpital, on dit qu'il y a des spécialistes dans tel domaine. Voilà, chacun a sa spécialité. Le don que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je sais que le diable t'a flaqué une maladie. Et tu es enchaîné par les liens de la sorcellerie. Tu as même peur d'aller en Afrique pour construire. Tout est bloqué, ton argent tu reçois, mais ça ne reste pas. Ton foyer est un problème au niveau du foyer. Tout est bizarre, tout se dégrade autour de toi. J'ai encore de l'espoir. Ce 6 là, le mercredi, le vendredi 6, ne ratez pas cette grande veille. Sandoisy-le-Sec, je suis confirmé. Sandoisy-le-Sec, à partir de 20h jusqu'au petit matin, ça sera une tempête de miracles. Vous allez voir que Jésus-Christ va faire lever les paralytiques. Vous allez voir que les mêmes ceux qui sont en train d'une incision rénale, tous ceux qui sont malades, vous avez un souci de maladie, vous avez une situation bizarre quelconque, ne ratez pas ce programme sur le 6. Sur le 6 sur Paris, ne ratez pas. Vous êtes quelque part, je vous confirme que c'est déjà confirmé, ne ratez pas. Il y aura une tempête de miracles. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as pleuré, c'est le temps où Dieu a décidé de suivre tes larmes. C'est le 6, le vendredi 6. Dieu suivra tes larmes et tu pousseras le ouf de soulagement. J'ai toujours dit, quand Dieu s'est présenté dans le jardin, la toute dernière fois, l'homme est en fuite, l'homme s'est caché. Et cette fois-ci, là, c'est l'homme qui a maintenant besoin de Dieu. Parce que Dieu est venu vers nous, s'est caché. Adam s'est caché, il dit, j'ai eu peur parce que je suis venu. C'est nous qui devons nous lever. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne fera rien. Tu te trouveras dans ta chambre pour te guérir. Lève-toi. Viens le 6 à Paris, à Noisy-le-Sec. Le 6, le vendredi prochain, tu seras guéri par la puissance de Dieu. Voilà, nous aurons l'occasion de pousser aussi nos programmes en Belgique. Nous allons aussi arriver en Espagne pour aider les gens. Nous allons arriver aussi en Allemagne. Voilà, shalom et que Dieu bénisse.